Salut, heureux de te retrouver, amis voyageurs. Nous voici en direct de Barcelona. Et puis là, on commence cette vidéo depuis un spot hallucinant qui s'appelle El Bunker del Carmel. El Carmel qui est un nouveau quartier qu'on est en train de découvrir en ce moment. Là, on est sur une colline qui domine complètement la ville, juste à côté du parc Güell. Et on t'amène tout simplement visiter notre ville préférée en Europe. Allez, c'est parti. Et on se retrouve comme par magie devant le monument le plus emblématique de Barcelone, la Sagrada Familia. Ça y est, là on est à l'intérieur de la Sagrada Familia. Nous, ça faisait 10 ans qu'on n'était pas venu et franchement les travaux ont vraiment bien avancé. Il reste encore à peu près 10 ans de travaux, hein. C'est en 2026 que tout ça va se terminer pour les 100 ans de la mort de Gaudi. En tout cas, c'est vraiment une visite incontournable, une architecture vraiment originale, presque organique. Enfin, quoi qu'il en soit, la Sagrada Familia ne laisse personne indifférent. On se situe juste au pied du porche de l'entrée principale. C'est vraiment hyper impressionnant comme ça en contre-plongée. Alors si vous voyez ici, pour la petite anecdote, pour les plus curieux et les matheux, c'est un carré magique. Et du coup, si on fait la somme des lignes ou des colonnes, on tombe toujours sur 33. 33 qui était l'âge du Christ à sa mort. Bon alors après la visite de la Sagrada Familia, on revient à notre hôtel. C'est un hôtel aussi qui fait café, le Retromé. On est juste à côté de la station de métro Girona. C'est un hôtel du coup qui permet de rayonner à pied aussi bien au quartier gothique qu'à la Sagrada Familia. Un hôtel à l'esprit entre le modernisme et le vintage. Nous on adore. On poursuit l'aventure à Barcelone. Allez, prochaine visite. Et on se retrouve dans un nouveau quartier, bienvenue dans le quartier gothique, El Barrio Gótico de Barcelona. C'est le quartier vraiment historique, alors tout a commencé ici. D'ailleurs à l'époque romane, Barcelona s'appelait Barcino. Et voilà, là c'est vraiment un melting pot d'architecture romane, gothique, un dédale de petites ruelles, de placettes, la fameuse cathédrale ici, nos places préférées qu'on va vous montrer après, la Plaza Real par exemple. Bref, c'est un quartier où il fait bon flâner, il faut se perdre dans ces petites ruelles. Voilà, lever la tête et tomber sous le charme de ces bâtiments. De ce quartier historique, il y a un musée vraiment que l'on vous recommande vivement. Ouais, le Museo de la Historia de la Ciudad, donc le musée de l'histoire de la ville de Barcelone. Moi, c'est le premier musée par lequel j'ai commencé à visiter la ville. Ouais, vraiment, c'est un musée qui permet d'en apprendre beaucoup plus sur tout le passé, le riche passé de la ville de Barcelone, et de mieux comprendre ce melting pot architectural qui fait vraiment l'unicité de la ville. Comment visiter Barcelone et son quartier gothique sans visiter la Plaza Real? Ouais, la Plaza Real, c'est vraiment notre place préférée à Barcelone. Alors pourquoi, on ne sait pas, mais il y a vraiment une atmosphère particulière avec ses arcades, son architecture napoléonienne, la fontaine des Trois Muses et surtout les candélabres qui entourent la place qui sont des œuvres de jeunesse de Gaudi. Ouais, vraiment la Plaza Real, c'est à ne pas rater lors d'un parcours de visite du quartier gothique. La découverte de Barcelone avec un autre quartier, on conclut cette balade dans le quartier gothique en vous donnant notre adresse préférée dans le coin. On est juste à deux pas de la Plaza Real et là on va au Schilling. Alors pour boire un café, pour prendre quelques tapas, c'est vraiment un lieu très cosy, très convivial. Allez, on va à l'intérieur. À la limite du quartier gothique, là on se retrouve sur la Rambla. Alors la Rambla, c'est bien sûr les Champs-Élysées de Barcelone, la rue la plus connue. Bon, nous on vous avoue, on n'aime pas, hein. C'est un coin réputé pour les pickpockets, hyper touristique.
Mais bon, c'est un passage obligé quand même, avec la statue de Christophe Colomb tout au bout vers la mer. Mais ce qui est intéressant ici, c'est justement on peut passer du quartier gothique à l'autre quartier limitrophe qui s'appelle le Raval. Alors le Raval, c'est un quartier qui avait une mauvaise réputation il y a quelques années, mais bon, ça évolue avec le temps. Maintenant, c'est un quartier un peu bobo. Il y a des nouveaux hôtels assez tendance qui s'ouvrent et surtout le MACBA, le musée d'art contemporain. Allez, on y va, on va faire un tour. Là, on est au cœur du quartier du Raval, on est d'ailleurs sur la Rambla des Ravals. Alors là, c'est un quartier qui a complètement été modifié au cours des années. Derrière moi, vous pouvez voir l'œuvre emblématique du Raval, c'est le chat de Botero. Et puis, on va continuer notre balade le long des Ramblas, direction le musée d'art moderne. Et on conclut notre visite du Raval ici, au musée d'art contemporain de Barcelone. C'est ainsi que vous avez compris, l'esplanade sert aussi aux skateurs, aux rollers, aux vélos. C'est un coin vraiment super populaire ici. Et donc là on va poursuivre la découverte de Barcelone, direction un nouveau quartier. Bienvenue à El Born, encore un quartier historique, limitrophe du quartier gothique. Donc encore un dédale de ruelles, de bâtiments anciens, d'architecture cosmopolite. Nous on adore aussi. Là en ce moment on est sur la Rambla del Raval, un quartier qu'on conseille vraiment le soir parce que là le soir les bars deviennent animés. Et un quartier aussi connu pour le musée Picasso, pour le marché Sainte-Catherine ou encore le Palau de la Musica Catalane, le palais de la musique catalane. Bref, un quartier où il fait bon vivre et flâner. D'ailleurs c'est un quartier très prisé par les touristes si vous recherchez à louer un appartement. Allez, on vous montre le quartier. Et là, on arrive au cœur du quartier d'El Born avec son marché caractéristique, c'est le marché Sainte-Catherine, un marché qu'on adore et surtout qu'il y a des bars franchement à tapas qui sont à tomber. Ouais, ouais. D'ailleurs, si vous venez ici le week-end, c'est blindé, il faut réserver, donc le mieux c'est de venir en semaine. Et le marché, il est connu pour son toit qui est ondulé et coloré, il est vraiment magnifique. Sortie sud du marché Sainte-Catherine, on vous conseille notre petit bar à tapas préféré du quartier, c'est le Catalina Café. Une adresse qu'on vous recommande. Alors si vous venez à Barcelone, il y a de grandes chances que vous empruntiez cette rue. Pourquoi ? Bah parce qu'il y a le musée Picasso tout simplement. Voilà, donc c'est le musée Picasso, c'est l'un des musées les plus fréquentés de Barcelone. Moi j'ai jamais fait, mais Franck il l'a fait. Ouais, il y a plein de dessins, bon, un peu hot, on va dire la vérité. Des œuvres de jeunesse de Picasso, ça vaut le coup d'y aller. Puis en plus l'architecture, le bâtiment est vraiment très sympa. Et dans la rue de Picasso qui s'appelle la Calle de Moncada, ben voilà le premier bar à tapas où j'ai été il y a très très longtemps de ça, à Barcelone. Bar à tapas complètement typique. Juste à côté d'un autre quartier, Barceloneta, le quartier des pêcheurs et le front de mer. Un nouveau quartier à explorer. Et nous voici à Barceloneta et au port olympique, c'est-à-dire le front de mer de Barcelone. C'est un quartier vraiment donc, tourné vers la mer où on trouve des restaurants, un casino, des boîtes très courues. Bref, un endroit où il fait bon flâner. Il faut dire en fait qu'avant, Barcelone n'était pas du tout tourné vers la mer. Et c'est depuis les JO de 92 que la ville a complètement revu justement son rapport à la mer. Et ça, pour le plus grand plaisir des voyageurs. Et bienvenue au Parc Güell, l'une des attractions phares de la ville de Barcelone. Bon, faut savoir que depuis l'année dernière, l'entrée est payante. Mais en tout cas, c'est juste la zone des mosaïques et des esplanades. Si vous voulez toujours faire un tour dans les hauteurs du parc, c'est toujours gratuit. Bon, on va repartir dans Barcelone avec le
bus touristique, ce serait une première pour nous. On voulait vous montrer ici, vous voyez, hein, ce que vous voyez au loin, c'est le bunker où on était hier après-midi avec la magnifique vue sur Barcelone, comme quoi c'est vraiment le spot le plus haut. On voulait vous dire aussi que c'est à deux pas de l'appartement qu'on a loué avec Apartment Barcelona, au cœur du quartier El Carmel. Et du coup, on peut rayonner à pied et puis être au cœur d'un quartier populaire avec les Barcelonais, et ça, on adore. Nous voilà dans le bus touristique. C'est pas trop d'autres trucs, mais il faut dire que ça inclut justement dans la Barcelona City Pass, que au final c'est super agréable avec ce temps de redécouvrir tous les quartiers de Barcelone. Bon, là on est descendu du bus touristique. Il faut savoir qu'il y a trois lignes différentes qui circulent comme ça dans Barcelone. On peut descendre du bus, remonter après. Si vous avez la carte Barcelona City Pass, c'est super pratique. Là, on voulait juste vous parler de la fondation qui est derrière moi, qui est la fondation Juan Miró, que vraiment on adore. C'est pour nous un incontournable des musées à Barcelone. On l'a déjà fait plusieurs fois les années précédentes, on ne va pas le refaire aujourd'hui. C'est vraiment une adresse qu'on vous conseille si vous aimez la culture et l'art contemporain. Et on se retrouve dans un nouveau quartier de Barcelone. Cette fois-ci, nous sommes à Gracia. Alors, il faut savoir que Gracia, c'est un peu un village dans la ville. C'est un quartier vraiment à l'identité assez marquée, avec plein de petites placettes, comme vous pouvez voir autour de nous, des petits restaurants. Un quartier vraiment qu'on aime beaucoup. On a déjà logé plusieurs fois ici. Et on te propose d'ailleurs un circuit de découverte sur le blog. On te met le lien ici. Et là, on va te montrer quelques points d'intérêt dans le quartier de Gracia. C'est parti. Allez, c'est parti. Bon, là on fait un petit arrêt à la Plaza del Sol, c'est notre place préférée à Gracia. Pourquoi? Parce qu'elle est inondée de soleil, même en hiver, là, c'est trop bien. Et puis il y a plein de bars super sympas où prendre des bières. Bref, on adore, puis c'est une place qui vit de jour comme de nuit. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo à Barcelone. On espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser plein de likes. Et à nous rejoindre aussi sur tous les réseaux sociaux, de Snapchat à Twitter, en passant par Instagram ou encore Facebook. Et aussi sur le blog voyage onedayonetravel.com. Alors on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!